Mon inspiration, je la puise en fait dans ma vie de tous les jours en partie et dans mes expériences de vie sur différents continents, dans des cultures différentes et dans des langues différentes, où tu es complètement immergé et que tu découvres, tu redécouvres comme un enfant une société et une manière de vivre qui t'interpelle et qui te permet de communiquer et de comprendre davantage. C'est sûrement pour cela que j'utilise beaucoup de matière sur mes toiles. Mon inspiration, la vie, les gens, les émotions, les injustices, mon envie de faire évoluer les choses et qu'elles changent vers quelque chose qui me semblerait de plus positif et de plus équilibré pour tout le monde. Ce n'est ni de l'abstrait, ni du figuratif. En galerie, on m'a classé comme néo-expressionniste. Aujourd'hui, on appelle ça de la peinture contemporaine, étant donné que j'utilise quand même pas mal de minéraux, de métal, que je mélange beaucoup, les matières, on va dire, et que je travaille sur le recyclage, en particulier avec des draps, récupérer, pour montrer que de rien on peut tout faire, ou avec rien on peut tout faire, quasiment. Ce sont des expressions d'impression, ou des impressions d'expression, aussi, on peut dire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus, je pense, dans mon travail, c'est le partage et les messages qui peuvent être communiqués au monde entier, entre guillemets. C'est-à-dire que l'on soit ou pas amateur d'art, je pense que les artistes sont là pour véhiculer, sont des transmetteurs justement de ressentis et d'une analyse de la société ou d'un ressenti par rapport aux sociétés dans lesquelles nous vivons. Et donc, ce qui m'a amené à peindre dans la rue, pour rendre l'art accessible à tout le monde, avec ces human robot slaves, donc les humains robots esclaves, qui me paraît être un message clair en forme de code barre, mais dans un contexte, donc très souvent sur mes toiles. Donc ce sont des toiles et je les fais dans la rue. J'ai commencé au Gabu ici, et maintenant j'en ai peint 6 à Paris. Il y en a un qui est toujours visible à Jaurès. Un autre au Théâtre du 20e, toujours à Paris. Et l'idée, c'est de ces Human Robot Slaves que j'appelle HRS dans la rue, en fait, c'est de faire un road movie où dans 12 villes de France, 12 grandes villes de France, il y aurait un Human Robot Slave. Thank you.
Les paroxysmes amoureux, c'est une série de sculptures que j'ai faites sur une période de 3 ans et demi à peu près. Laquelle période était justement la durée de vie d'une union amoureuse que j'ai eue avec une femme qui s'appelle Corinne Barillot, qui m'a vu passer par tous les états, c'est-à-dire les états les plus tristes, les plus désespérés, jusqu'aux états de pure jouissance qu'on a connus ensemble. Triste, désespéré, parce que parfois je me sentais un peu trop seul. Les états de jouissance après, parce qu'on était tous les deux. Et c'était merveilleux. Et ensuite, il y a eu aussi une période où ça allait moins bien. Il y a aussi des sculptures où on voit que l'homme soutient la femme parce qu'elle est, elle est pas très bien. Et ensuite, on a eu l'idée, tous les deux, d'en faire un petit recueil. On a pris les photos des sculptures. Et Corinne, qui est poète, poétesse, a écrit les textes librement. C'était vraiment pas l'idée d'illustrer la sculpture. Fallait vraiment qu'elle s'implique totalement à sa façon. Il n'était pas question qu'elle réponde au doigt et à l'œil à ce que moi j'avais fait. C'était vraiment livrer ses propres sentiments. Mais tu as travaillé d'abord les sculptures et après elle a travaillé sur tes sculptures. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était vraiment. Ce sont pas ces mots qui t'ont amené à ces réalisations. Non. Ce qui m'a amené à ces réalisations, c'est vraiment mes sentiments, mes ressentis quotidiens. Et ensuite, donc, c'est aussi quelqu'un qui travaille très bien le papier, le carton, et qui fabrique donc, ce sont des pièces uniques, qui fabrique à la main ces petits recueils. Voilà. Voilà, donc dans cet atelier, très prochainement, maintenant qu'un four est arrivé, donc il ne manque plus qu'une installation électrique, je me destine à recevoir des gens pour donner des cours, j'aime pas le terme de cours, c'est magistral, mais pour proposer des initiations, découvertes et créativité sur la base de l'argile. Donc on peut recevoir environ 5 à 6 personnes, et là maintenant j'ai les flyers en... Qu'est-ce que tu vas faire dans ces cours ? Eh bien, je vais proposer des cours aux gens, donc l'intérêt pour moi c'est pas de les enfermer dans quelque chose, j'ai pas envie qu'ils travaillent à ma façon. Ce qui est le plus important pour moi c'est de les amener à s'éveiller eux-mêmes, à se rencontrer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans cet atelier, il pourrait y avoir 5 à 6 personnes qui fassent des choses totalement différentes, et ça, à ce moment-là, c'est réussi. J'ai pas du tout l'intention d'être dogmatique, quoi. C'est comme ça qu'on fait, évidemment qu'il y a des bases techniques. Je serai là plus dans une idée de soutien, d'apporter des astuces, des techniques. Mais pour moi, l'intéressant, c'est que les gens fassent vraiment ce qu'ils ressentent. Et qu'ils en arrivent à ça. Voilà. Alors, comment ça naît une œuvre d'art avec de la terre ? L'argile, c'est comme un morceau de chair. On le pose devant soi. Il est là, il est informe. On le touche, il répond au toucher comme un bras, un avant-bras, un ventre. Parfois, il se laisse faire. On le modèle comme on veut. Il répond à la caresse, tout se passe bien. D'autres fois, c'est plus compliqué. Donc, il faut un peu passer par des torsions, la gymnastique. Et on fait tourner, on voit des pistes qu'on explore. Et puis, à d'autres fois, il se refuse. Il se refuse à nous comme un être qu'on aime et qui ne veut pas. Et alors là, donc, on est un peu obligé de passer à la méthode forte. On peut lui donner des coups, des baffes, des coups de poing, voire une bonne fessée. Ça marche aussi. Et il m'est arrivé, comme ça, de débloquer la situation. Ça a du bon, la violence. Ouais. Thank you.
Alors mes projets artistiques en cours, c'est développer ma série Au coin de la rue. Donc ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire rendre à chacun son destin. C'est représenter des gens qu'on peut croiser au coin d'une rue, qui suivent leur petit parcours et puis qui sont anonymes. C'est leur rendre une part de lumière. Voilà. Et c'est un peu le projet qui va m'animer dans les mois à venir, le développer. J'ai commencé sur des toutes petites pièces et j'ai l'intention de l'aborder sur des pièces plus intéressantes et aussi de faire des pièces qui soient à même d'être exposées en extérieur, parce que je vise un peu en fait la production pour mettre dans les jardins. Nombre de gens disent souvent oh, on aime bien ce que vous faites mais j'ai pas de place dans la maison. Ben voilà, en proposant quelque chose qui va au jardin, on va voir comment ça fonctionne. La genèse de la passion de la photo pour moi a démarré en Inde, alors que à mes 20 ans, on m'avait offert mon premier réflexe argentique. Je suis partie quasiment un an et demi voyager dans ces 27 états et les contrastes de l'Inde, la richesse des couleurs de ce pays m'ont vraiment attiré l'œil de la composition. Je suis vraiment tombée amoureuse de la photo à partir de ce moment-là. Une photo réussie pour moi, c'est vraiment une photo qui parle de nos sens, de nos ressentiments et qui nous livre un message. Peu importe le message, on peut lire différemment une même photo, avoir plusieurs lectures, mais l'important dans une photo, c'est qu'elle nous fasse voyager dans la signification profonde de cette image. Si on est devant une belle photo, c'est que forcément l'auteur de cette photo a réfléchi à sa composition. Dans le milieu marin aussi, il y a un oiseau que j'aime beaucoup, la mouette. Je trouve que la mouette est très gracieuse. Pour moi, la mouette, ce sont des anges dans le ciel. Et je trouve cet oiseau particulièrement intelligent, car il a su s'intégrer dans notre vie et vivre avec les humains, dans tous les ports, même loin dans les terres, même à Paris, on retrouve des mouettes. Et j'aime beaucoup leur beauté, leur mouvement dans le ciel. Et moi qui suis un signe d'air et qui aime beaucoup l'eau, leur image retentit beaucoup chez moi. J'ai beaucoup de patience à les prendre, car il faut avoir beaucoup de patience, s'en faire des amis. Alors, il y a un élément que je privilégie beaucoup dans mes photos, c'est l'eau, l'océan. C'est un élément redoutable, il peut être dévastateur, comme enchanteresque, magnifique, paradisiaque. Et cette force qu'elle a en elle, j'aime la figer dans mes clichés. Toujours été attirée par l'image, par la création d'une image. Pourquoi, je ne sais pas, c'est dans mes gènes. Je suis issue d'une famille de peintres et photographes. Donc je crois qu'en fait, j'ai reçu ça par génétique quelque part. Et
Et j'ai ça dans la peau, j'ai ça dans le sang. J'adore l'image, la création d'une image et la composition d'une image. Son message et surtout qu'elle nous fasse rêver. Thank you.